Jubilé Ras Alama Martyr, inauguration de l'Akan. L'église protestante FGKM Ras Alama Martyr à Mbouipout célèbre le clou du jubilé de son 150e anniversaire. En effet, c'était il y a 150 ans que les missionnaires protestants avaient construit cet édifice. Une grande messe s'est tenue aujourd'hui à Mbouipout, suivie de l'inauguration de l'Akan Ras Alam. Cette Akan est la stèle du jubilé. Il s'agit d'une infrastructure à étages dont le rez-de-chaussée est destiné à la salle de musique, le premier étage, un dispensaire destiné à la population environnante et une salle de bibliothèque, le deuxième étage est une grande salle qui peut accueillir divers événements et le troisième étage servira de maison du pasteur. Il convient de noter que le jubilé du 150e anniversaire a été marqué par les diverses manifestations et rassemblements dès son ouverture. Un culte clôturera la célébration demain avec les fidèles et les anacapélésans. Notons que ce grand édifice a été conçu grâce aux efforts propres des fidèles et anacapélésans de l'église FGKM Ras Alama Martyr pendant 5 ans, selon les précisions apportées par Erasua Marmak, président du comité du jubilé du 150e anniversaire et non moins président fondateur de l'Akan Ras Alama.